Wesh les gars, aujourd'hui on doit faire top 1 qu'avec des snipers. Je vais tout vous expliquer, mais juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à t'abonner, liker, partager comme d'habitude. Le code créateur dans la boutique Fortnite si tu l'as toujours pas fait. Sur ce les gars, bonne vidéo et à tout de suite. Les gars, les règles de ce défi c'est super simple. On a le droit qu'au sniper et on n'a pas le droit à d'autres armes. C'est d'autres armes, donc c'est-à-dire tout ce qui met des dégâts, on n'a pas le droit. Du coup on se retrouve directement dans une ville où on va pouvoir trouver quelques petits snipers. Sur ce, à tout de suite. Ok les gars, on va aller dans cette ville. On va essayer de trouver au minimum un sniper pour essayer tout simplement de pas se faire tuer directement. Et pour pimenter un peu le truc les gars, je me suis mis en solo squad. Ça va être encore plus dur. Ok, pour l'instant j'ai pas de sniper. Y'a pas de sniper frère. Les gars, je suis dans la merde. J'ai pas d'armes. Ah, ça commence bien. Ah là là, ah là on est bien. Là on est bien. Putain. Non mais donnez-moi une arme, je vous en supplie. Non, je vais mettre mon kit avant. J'ai une moto. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un kit de swing. Non, pas un kit de swing. Qu'est-ce que je raconte? Moi j'ai vu un petit sniper. Donnez-moi un sniper. Mais donnez-moi un sniper. Je vous en supplie, j'ai pas envie de finir la game sans sniper. La game va pas s'appeler je fais top 1 avec des snipers, elle va s'appeler je fais top 1 sans armes. Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague frère. Non mais par contre premier degré frérot, il me faut un sniper là, sinon je suis mort hein. Non mais frère, mec, il me faut un sniper frère. Ok, le sniper. Pistolet frère, un pistolet frère. Putain mais c'est une blague, c'est une putain de blague. Mais mec regarde mon stuff frère, tu veux que je fasse quoi? Bon du coup les règles les gars, je vous ai pas expliqué, mais on a le droit de prendre que des snipers. On n'a pas le droit de prendre d'autres choses, par exemple on n'a pas le droit de prendre de grappins et tout, parce que du coup ça met des dégâts. Tout ce qui met des dégâts on n'a pas le droit de prendre. Bon sauf les voitures parce qu'on va pas foncer sur des gens, tu vois. Mais sinon on a le droit de rien prendre à part des snipers. Bien évidemment on a le droit au heal parce que bah sinon bah je serais déjà mort en fait. Oh les gars, j'ai trop le seum. Un coffre en or. Oh oui. Oh là là. One for one. I am the sniper. I have the sniper. Je vais tuer tout le monde frère. Bon du coup on a le sniper, ça c'était génial. Bon commencement. Bon ça commence un peu mal du coup parce que en fait non, ça commence mal et bien. Ça commence mal bien, tu vois. On était dans la merde mais on se retrouve bien en fait. Bon maintenant faut que je trouve des gens parce que bah j'ai pas beaucoup de kills. Bah enfin bref, c'est pas grave hein. On va directement trouver des gens, on s'en bat les qu'un. Oh non. Oh putain, je croyais qu'il ce que j'ai mis. Wesh frère, ce que je lui ai mis frère. Je veux juste prendre la voiture. Je me tire. Oh ce que je lui ai mis frère. Comment les mecs ils meurent de la tempête maintenant, wesh. Donc je disais, pourquoi faut toujours avoir une moto? Bon c'était pas trop pour ça. Comme dans Fast and Furious les gars. Fast and Furious. Et là tu vois, tu t'approches du train comme ça. Et là hop là. Et voilà les gars. Petit tuto. Merde. Ma moto est partie. Mais mec y'a que des bonnes armes frère. J'ai trop le seum. Et là tu vois on va attendre comme ça. On va faire burner. Bon, on n'entend pas. Aïe putain, je me suis pris le plafond dans la tronche. Bah quoi ça va spawn ça? Wesh wesh. Non ma moto. Wesh. Mais qu'est-ce que... Wesh ma moto elle est possédée frère. Et voilà frère, tu veux me tirer dessus mais t'es mort. Wesh. Oh tout le stuff frère. Moi il m'a mis un petit peu mal. Putain mais frère j'ai tué deux mecs, j'ai pas eu mes kills encore. Vas-y les gars on va... Attendez on va juste prendre le kit. Oh merde, elle est où ma moto? Mais ouais j'ai perdu ma moto. Merde. Oh y'a un gars. Ok. Oh merde j'ai loupé ma balle. Ouais. Premier mec que je tue les gars c'est un bot hein. Franchement là je suis trop fort aujourd'hui. Bouge pas toi. Pas bouger. Coucou panier. Oh il fait quoi? Oh esquive. Matrix. Bam. Balle dans le ventre. Les gars, ce que je lui ai mis, frère. Il a des balles de snipe. On boit la grosse. Et là, on se tire. Moi, il me faudrait peut-être un autre snipe, hein. Parce que là, je commence vraiment à être dans la merde, hein. Je me tire. Ciao, Legends. Bye. Oh putain. Ça sera plus, ça. Oh putain. Oh purée de pommes de terre. Oh. Ils m'ont mis une petite balle. Il y a esquive de la loot. Hop. Esquive de la loot. Drive. Non, oui, frère. Je me tire. Attends, j'ai une idée. Tu veux me tirer dessus, toi? Allez hop. Oh, tu m'as mis une balle en l'air, moi je te l'ai mis dans les pieds frère. Tout le monde me suit mais j'ai pas envie moi hein. Retournez autre part là putain. Aïe. Non parce qu'il y a les autres ploucs là qui vont venir. Pourquoi j'arrive pas à les tuer? Les gars on se tire. Les gars, on se tire. Merde. Les gars, on se tire. Merci, mon petit chou. Putain, j'ai plus de balles de snipe, frère. Oh, comment je suis dans la merde. Les gars, je suis dans la merde. Là, c'est pas possible. Là, je suis mort. Putain, les gars, on est top combien? On est top 6, frère. Top 6. C'est pas grave. Dans la vie, les gars, faut savoir renoncer au défi. Enfin, au défi, pas le défi des snipes, hein, mais le défi de relever un top 1. Hein. Bien évidemment. Ah oui, frère. Bon.
Les jeunes, ça va, vous êtes où? Je sais pas pourquoi les gars, je sens que je vais me prendre une balle de snipe dans les pieds, frère, je vais rien comprendre. Dans le yep, comme dirait les jeunes. Non mais là, par contre, là, il me faudrait peut-être des balles de snipe, tu vois. Des balles de sniper. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il me faudrait peut-être des balles de sniper. Oh, y a un gars là-bas. Ouais, je peux même pas tirer de loin parce que si je tire de loin, après j'ai plus de balles pour tirer de près, moi. Dans la merde. Bon, après, on va pas se mytho, hein. L'autre, je l'ai quand même tué 3 fois, il s'est fait rire à 3 fois, hein. Bon, après, c'est comme il veut, hein. Peut-être qu'il aime bien être KO, hein. Peut-être qu'il aime bien lécher le sol, hein. On sait jamais, hein. Peut-être que les gens, ils aiment lécher le sol, hein. On sait pas, hein. Là, en face de moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de gens, tu vois. Tu vois, en face de moi, là, je suis dans la merde s'ils viennent sur moi, tu vois. Mais c'est pas grave. Ils sont 4 dans la voiture, frère. Ils ont cru que c'était les vacances. Ils ont cru qu'ils allaient faire un road trip, frère. C'est une dinguerie. Oh putain, il lui a mis une balle de snipe. Pourquoi il tire dans le buisson? Non mais eux, faut leur dire la vérité, hein. Des fois, il faut pas tirer dans les buissons, hein. Ça sert à rien. Y a pas les bambis, ils sont cachés dans les buissons en ce moment. Hein. C'est vous, hein. Vous êtes trop psychopathe. Psychopathe. Oh lolo, le stuff. C'est du stuff, ça. Tiens, prends ça, toi. Allez, on se tire. Nous aussi, on va faire un petit road trip, mais on est tout seul. Oh putain, y a des gens en van. Tu vois ça, mon gars? Bah ça, moi, je vais pas y aller, tu vois, parce qu'ils sont deux, mais... Bah, ils sont deux, quoi. Mais moi, je suis tout seul. Ils ont des pompes, j'ai des snipers. Et tu vois, ils viennent de prendre le coffre, donc ça me met encore plus dans la merde. Du coup, on va se tailler encore, peut-être un petit peu plus vite. Oh non, y a des gens en face, putain. Mais ils sont partout, aussi. Ils sont partout. Ah, j'ai pris un dégât. Oh, ça va me stresser. On va en prendre un deuxième. Ah, j'ai pas réussi, merde. On va en prendre un deuxième. Voilà. Là, je suis moins stressé, les gars. Un petit road trip, les gars, ça fait pas de mal, non? On va où la prochaine fois? On va aux Bahamas? On va voir la tempête? Non, moi, je sais où on va aller, les gars. Pas de panique. Pas de panique, les gars. Là, il me faudrait juste un petit peu de balles, tu vois. Oh là là, le bruit de la voiture là commence à me saouler, putain. Merde, j'ai pas pris la bonne porte. Oh, vous avez vu ce qu'ils ont remis, les gars, sur le jeu? Pistolet à verrouillage. C'est trop cheaté. C'est comme un sniper, en fait, hein. Non, je rigole, je rigole. C'était une joke, une ban. Une triple RA. Plus monstre. Bon, moi, je vais chercher des boîtes de munitions. Oh putain, let's go. Oh lolololo, oh lolo. Oh, pistolet à verrouillage encore, les gars. Mais je crois que je vais spawn ici. Je vais faire une game avec des pistolets à verrouillage. Hein. Oh, des balles de snipe. Mais il joue à quoi, lui? Il a cru qu'il avait un aimbot ou quoi, lui? Il se dans... Merde, j'ai tiré dans le buisson. Arrête! Il reste combien de teams? 3. Oh bah, je suis dans la merde, les gars. Mais il est pas tout seul! Oh putain, je me cosse. Les gars, je me mets dans un bourbier là si je reste là, moi. On se cosse. On va prendre la tute-tute mobile, frère. Mais s'il y a combien de mecs? Non, c'est une dinguerie, frère. Tu viens pas avec moi, toi. T'es fou ou quoi? Ping, 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 ding, ding. Et non, tu viens pas avec moi, frère. T'es trop nul, Jean-Louis. Ah. Merde, il est avec moi. On bat les couilles. Bye. Les gars, je crois que c'est terminé pour moi ce soir. Ah! Ah ouais, c'est terminé pour moi, les gars. Top 3, je pouvais pas faire mieux, hein. Bon, bah, malheureusement, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, hein. Bah, on a fait top 3. Du coup, bah. C'est fini. On n'a pas réussi, les gars. On n'a pas réussi. On est trop nuls aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se redonner un nouveau défi. Et cette fois-ci, on devra faire top 1. Donc, bah, on est nuls. Allez, à la prochaine, les gars. Ciao, bye, Cimer. N'oubliez pas le code créateur, pouce bleu, etc.
Voilà, bah moi j'ai plus de code créateur. Hop là les gars, code créateur, Timo, code 18 dans la boutique, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir les gars.